Bon, je suis un petit peu en retard, je sais, il y a le deuxième trailer officiel de The Mandalorian qui est sorti. Au départ, j'étais pas parti pour le voir, et puis après quelques petits échanges sur la Kishni Family sur le Discord, dont vous avez le lien dans la description au cas où, je vais le regarder, parce qu'en fait, à la base, je voulais même pas regarder la série. Ce que je ne pouvais pas, je veux dire, je compte pas prendre Disney+, je suis pas un très grand amateur de séries, et puis il me reste The Clone Wars à terminer, et puis toutes les petites séries là qui sont sorties depuis pas très longtemps sur Star Wars, bon, ça m'intéresse pas des masses. Et puis quelque part aussi, je me dis que on m'a beaucoup dit, ah, il faut absolument que tu termines Star Wars Rebels parce qu'il va y avoir des parallèles, des liens, etc. Alors oui, il y en a. Mais c'est pas obligatoire. Pour moi, les films restent le seul canon. Oui, enfin non, non, c'est pas que le seul canon, mais pour moi, ça reste le seul canon. Je veux dire, les films se suffisent à eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que, vous voyez, c'est un petit peu poussif, quoi. Faut me pousser pour que je regarde les les séries. Et là, bon, je me suis dit, ok, si vous êtes chaud pour m'envoyer des liens pour que je puisse mater les épisodes et qu'après j'en fasse des espèces de petites reviews, bon, ok, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, en ce moment, ouais, je manque plutôt cruellement de contenu. Bon, là, même s'il y a Star Wars qui va arriver, donc je vais me faire de plus en plus présent. Mais. Ouais, et puis quelque part, ça va être du VostFR, ça va me faire travailler mon anglais et tout ça. Ouais, allez, allez, si vous voulez, on pourra faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découvrir le trailer. Puis je vais vous dire un petit peu, je sais pas, rapidement ce que j'en pense, tout ça, mais j'attends rien de spécial en fait. Donc on va voir si le trailer me met la hype ou pas. Allez, on regarde ça. The world more peaceful since the revolution. It is a shame that your people suffered. But bounty hunting is a complicated profession. They said you were coming. They said you were the best in the parsec. Would you agree? Je pense que The Mandalorian pourra que indéniablement plaire aux fans de manière générale. C'est obligé. Quand je regarde en fait les images, ce qu'il y a de vraiment bien et que j'avais pas trop vu avec le premier trailer ou les premières images, c'est que en fait j'ai l'impression de voir le fantôme de Rogue One. Quand je dis ça, je veux dire par là qu'on a des très beaux visuels, on a aussi un respect extrêmement cadré de la saga, on a des petits comme ça, des petites références et tout ça qui font plaisir aux fans. On voit qu'ils maîtrisent le sujet. C'est complètement dans l'univers de Star Wars. On pourrait être vraiment dans un truc qui fait pas du tout penser à Star Wars. Ils auraient pu complètement se planter. Mais en fait, là, j'ai vraiment l'impression qu'on va voir un film Star Wars mais en série. Et c'est exactement en fait ce qui se fait aujourd'hui. Les films déprécient un petit peu
dans pas mal de têtes des gens. Et maintenant, tout se consomme sous forme de série. Je discutais avec quelqu'un, je ne sais plus qui, récemment, qui me disait, mais moi, devant un film, je me fais chier. Au bout d'un moment, je commence à m'endormir. Et même, ce n'est pas le seul. Je veux dire, il y a plein de personnes de mon entourage qui n'arrivent pas à rester en place devant un film parce que c'est trop long, parce que ça ne dure que le temps d'un film, parce qu'ils savent qu'il ne va pas y avoir de background après, qu'il ne va pas y avoir de... Vous voyez, à part peut-être pour les films à suite, tout ça, mais aujourd'hui, en plus, on est vraiment dans la consommation en masse et rapide. Ce qui est totalement le format des séries, en masse parce qu'on a beaucoup d'épisodes, et rapide parce que les épisodes sont plutôt courts, à part pour certaines séries, évidemment. Et donc là, ben, Star Wars, quelque part, s'il voulait continuer à survivre, il était obligé de passer par le format série et il était aussi surtout obligé de ne pas se planter. Et là, vraiment, je vois mal comment ils pourraient se planter, surtout que ils ont quand même un cadre qui est assez connu, The Mandalorian, le personnage principal, tout ça, c'est ancré dans la tête des fans. C'est pas comme s'ils partaient sur un truc qui était complètement inconnu et tout ça, où on savait pas trop où ils allaient aller. Là, quelque part, c'est pas trop risqué. Ils prennent pas trop de risques, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir. Parce que voilà, c'est leur premier essai, il faut qu'ils commencent quelque part. Mais ce que je trouve vraiment bien aussi aujourd'hui, c'est que contrairement à il y a quoi, il y a 20 ans, maintenant, on peut mettre énormément de moyens dans des séries, et ça se voit. Jusqu'alors, les séries de Star Wars, c'était surtout des dessins animés ou des dessins animés ou films d'animation. Je fais vraiment la différence. Voilà. Pour moi, Rebelle, c'est plus un dessin animé. The Clone Wars, c'est plus un film d'animation. Je sais pas trop si je me ferai comprendre, mais il y a certainement des termes plus appropriés pour ça. Vous me les direz. Mais ouais, là, du coup, c'est la première fois que voilà, c'est vraiment des. Avec des vraies personnes, tout ça. Donc, et ce qu'on voit là, je sais pas, des fois quand on voit l'horizon, quand on voit la grandeur, quand on voit toutes les petites choses qui nous font penser tout simplement à Star Wars, ouais, l'essence est là de Star Wars. Tout est là. Donc, moi, franchement, je me fais pas du tout de soucis pour ce Mandalorian. Ça me hype pas plus que ça parce que les Mandaloriens, c'est pas trop mon kiff. Je veux dire, j'ai aucun lien spécial avec eux. Je sais qu'il y en a qui sont ultra fans, donc c'est pour ça que je dis pour ceux qui sont ultra fans des Mandaloriens, tout ça, ouais, là vous allez overkiffer. Moi, bon, ouais, je vais regarder, je sais que je vais passer un bon moment. Et puis ça va être dans l'univers de Star Wars, donc oui, quelque part j'ai hâte. Mais je suis pas overhypé. Je veux dire, tu me dis entre Star Wars 9 et The Mandalorian. Je le mets là dans un petit coin ici, et puis le reste, c'est Star Wars 9, hein. Ah bah, pour moi, il n'y a pas photo, et je sais qu'il y en a, c'est le contraire. Mais voilà, bon, vous avez votre avis, je vous comprends pas, mais c'est pas grave. Mais non, non, moi, c'est. Non, il y a aucun doute là-dessus. Voilà. J'ai pas vraiment de théorie par rapport à ce qui va se passer, tout ça. Non, je trouve que ça en vaut même pas la peine, quoi. C'est. Non, j'attends de voir ce que ça va donner, et puis je vais kiffer, tout simplement. Et puis voilà. Bon, c'est ça. Allez, bah sur ce, moi, je vous laisse. Et puis, bah, 12 novembre, bah, c'est bientôt, hein, donc on verra bien quand ça sortira. Et puis, comme ça, je pourrai vous faire des vidéos. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous, et que la force soit avec vous.